toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va ouvrir les calendriers de l'Avent. Donc je les ai mis sur lit parce que c'est plus pratique. Donc du coup, on va ouvrir celui-ci. Donc c'est le numéro 7. Hop. Donc on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur ensemble. Hop. Alors nous avons à l'intérieur une jolie décoration pour mettre sur le sapin. Rouge et blanche comme ceci avec un joli cerf super mignon en forme d'étoile avec des petits flocons. Les deux côtés c'est la même chose. Super, ça va faire super sympa sur pardon, excusez-moi, sur le sapin. Ensuite on continue avec celui-ci. Donc celui-ci c'est pour les breloques, donc le numéro 7. Nous avons à l'intérieur, hop, je vois ça, hop, une autre petite perle, comme ceci, hop, cette fois-ci elle est blanche, je ne sais pas si vous voyez bien, hop, petite perle blanche, comme ceci, voilà, on continue avec celui-ci, le calendrier du thé, donc on va chercher le numéro 7, il est là, donc, aujourd'hui, nous avons le thé vert bio Sancha. Il est comme ceci. Ils sont super bons. C'est la première fois que je teste les thés bio et les touch organiques. Ils sont super bons. Hop, et on termine avec le calendrier, bien sûr, de chocolat avec le Père Noël qui fait du patin à glace. Donc, on cherche le 7 et il est là-haut. Hop. Donc, qu'est-ce que nous avons dedans? S'il veut sortir, hop, nous avons un petit lutin. Hop, un petit lutin en chocolat. Hop, voilà. Donc, on en a terminé avec les calendriers de l'Avent. Hier, je suis allée à Lidl faire mes courses et j'ai trouvé quelques petites choses là-bas. Donc, j'ai trouvé ceci. De la marque Sienne, c'est un gel hydroalcoolique pour les mains. Donc il se présente comme ceci, il n'est pas bien grand, c'est un 50 ml. Et je l'ai payé 99 centimes. Je ne sais pas trop l'odeur. Ouh. Ouais, ça sent vraiment le gel. Je me suis mis partout. Le gel antibactérien. Ensuite, j'ai trouvé ceci, c'est des petites crèmes pour les mains, toujours de la marque Sienne. C'est fleur de cerisier, parfum délicat, qui se présente comme ceci. Et c'est un 30 ml. Ça sent super bon. Donc une petite crème. Et j'ai trouvé une autre petite crème aussi, comme ceci. Donc toujours de la marque Sienne. C'est lait et lavande, toujours parfum délicat en 30 ml. Donc voilà, et celle-ci, comment elle sent. Pardon, excusez-moi, toujours cette toux. C'est assez délicat, ça sent pas très fort, ça sent bon aussi. Et j'ai trouvé ceci, alors c'est un... Ça se présente comme ceci. C'est un gommage doux pour les mains. Donc il élimine délicatement les cellules mortes. Donc voilà, donc je vais tester ça. C'est à la mangue et à papaye. À la papaye. Ça sent bon aussi. Donc du coup, je vais tester ce petit gommage pour les mains et je vous dirai si il est bien ou non. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Perfect Nude. Donc c'est toujours de la marque Sienne. C'est un concealer. Il est comme ceci. Je l'ai pris en teinte 20 médium. J'espère que ça va pas être trop foncé parce qu'il n'y avait que cette teinte. On va l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez un embout mousse. Hop. Non, ça c'est ça va, c'est assez clair quand même. Oh, quoique, ça donne ça. Je ne sais pas si on voit bien sur ma main, mais c'est assez clair quand même. Donc ça devrait passer. Ça devrait passer. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Hop, donc c'est toujours de la marque Sienne.
Ouais, c'est ça, Perfect Nude. Donc, c'est une CC crème 15 SPF. Donc, je l'ai pris en teinte light. On va voir ce que ça donne. C'est un petit format. Donc, le concealer, c'était un 8 ml. Et la CC crème, c'est une 30 ml. On va tester ici. Hop, donc elle est là. Ils disent clair, mais c'est assez foncé quand même. À voir. Et pour finir, j'ai pris ceci. C'est tout de la même couleur. Le packaging est rose. Donc ceci, c'est un lip gloss. Donc je l'ai pris en teinte soft rose. On va l'ouvrir ensemble. Si j'y arrive. C'est un petit embout mousse aussi, pareil que le concealer. Et du coup, la couleur. Ouais, c'est transparent. C'est très très discret. Je pense que vous allez rien voir du tout. C'est là, ça brille, mais c'est tout. C'est juste un gloss basique, quoi. Transparent. Ça sent super bon aussi. Donc voilà pour les petits achats que j'ai fait chez Aldi. Donc pour les prix, donc le gel antibactérien, il était à 99 centimes. Les deux petites crèmes comme ceci étaient à 99 centimes aussi. Le gloss, 1,99 €. La CC crème, 1,99 €. Le concealer, toujours, 1,99 €. Et le gommage pour les mains, il était à 1,89 € si je ne me trompe pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.